Même en est venu de la période des questions orales, le chef royal de Sa Majesté. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement prétend qu'il a équilibré les budgets, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Intervention du président à l'ordre. Ça n'aide pas. Je vais attirer l'attention sur votre chef. Merci. Dans les mathématiques libéraux, les choses ne fonctionnent pas lorsque vous ajoutez 1 800 000 pour l'argent et 500 millions de retraites, malgré l'avis contraire de la VG et un transfert fédéral de 1 500 millions et d'autres transferts, 1 milliard de dollars de la vente de feu d'hydro. On a un déficit d'exploitation de 5 500 millions de dollars grâce à des ponctions. Je demande à la députée de Nepean Carlton, je les retire. Veuillez poursuivre. C'est un déficit d'exploitation de 5 milliards grâce à des taxes. Est-ce que la première ministre que le budget n'est pas équilibré? Je suis très heureuse que c'est le premier budget équilibré depuis 10 ans. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour éliminer le déficit. On savait que c'était essentiel. L'économie est en excellente position. Nous sommes un leader dans le chef en matière de croissance, mais la réalité est la suivante, que les gens sont anxieux. Et la base d'un budget équilibré nous donne l'occasion pour faire des investissements dans la province. Un exemple, c'est-à-dire le régime d'assurance maladie de l'Ontario Plus et qui permet aux enfants, aux jeunes, à partir de 1er janvier 2018, d'avoir des médicaments gratuits. On sait très bien que si on peut investir, que les jeunes pourront avoir accès plus tôt à leurs médicaments, ce sera un plus à long terme. Monsieur le Président, retour à la Première ministre. Voici ce qui ne marche pas encore, que les libéraux, un autre 10 milliards de dollars au déficit. Ils disent qu'ils ont un budget équilibré, mais leur prétention, c'est qu'ils cachent les dettes ailleurs. On n'ajouterait pas de dettes ailleurs. Ils ajoutent 10 milliards de dollars de dettes à la province la plus endettée dans le monde que tout autre État et la situation empire. La première ministre peut-elle exprimer pourquoi on ajoute autant de dettes, 10 à la hauteur de 10 milliards de dollars, dans un budget soi-disant équilibré? Je comprends que le chef de l'opposition n'a aucun intérêt, aucun plan pour investir dans la province, pour investir dans les immobilisations. Sans investir dans les immobilisations, dans le transport en commun, les ponts et les routes. Il était à la ville de Toronto et il parlait de la ville de Toronto. Un engagement pour investir, un seul cent dans le transport en commun à Toronto. Nous allons investir des milliards de dollars à Toronto, Ottawa, Kitchener, Waterloo, Hamilton, à l'échelle de la province. On sait très bien que ces investissements sont essentiels pour l'économie de l'Ontario et sa croissance des collectivités locales. Nous sommes fiers de notre budget équilibré, le premier en 10 ans, et cela nous permet d'avoir une base sur laquelle on peut investir davantage. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, de retour à la Première ministre, ce mythe n'a pas trompé personne. Voici ce que Kelly McFarland a dit dans le Post. Dans cet article, le budget prétend d'être équilibré, même si la dette augmente à la hauteur de 26 milliards de dollars et le service de la dette va consommer 1 milliard par mois. Des milliards de dollars
dans des bases pour des projets d'immobilisation sont hors livre. Des milliards sont cachés dans l'avenir. Comme la vente d'Hydro-One sont utilisés pour améliorer la situation. C'est le poste. Ce budget est clairement n'est pas équilibré. Et ma question est la suivante à la première ministre. Vous jouez avec les chiffres. Est-ce que ça vaut la peine? Intervention du président. Vous êtes à la limite, première ministre des Finances. Soyons clairs. On a équilibré le budget cette année, l'année prochaine et l'année après. D'un parti qui a augmenté le dette de 53 % lorsqu'ils étaient au pouvoir, alors que la situation était bonne. Et ce député l'a voté, le plus grand déficit dans l'histoire, 55 milliards de dollars. Pendant qu'il était à Ottawa, je vais citer une source indépendante, une agence de notation a dépassé ses cibles chaque année et tous les programmes sont maintenus et les dépenses contrôlées alors que la province vivait dans une situation meilleure. C'est DBRS. La dette par rapport au ratio a diminué au cours de la troisième année et qu'elle est maintenant, ce ratio est maintenant à 21,3 % Intervention du président. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, je me suis assis avec le maire Torré pour parler du budget de 2017 de l'Ontario. Nous sommes tous d'accord. La première ministre qui a été élue sur la promesse qu'ils allaient se battre pour la cité de Toronto s'est retournée contre la ville de Toronto. La première ministre a ignoré toute promesse qu'elle avait faite et finalement que John Tory n'a pas suivi les consignes. C'est honorer les promesses que la première ministre n'a pas tenues envers Toronto. Quand est-ce que la première ministre va tenir ses promesses envers Toronto pour s'assurer qu'on appuie la cité de Toronto? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Premier ministre. Merci, Président. Député de Prince Edward Hastings, vous allez retirer ce que vous avez. C'est la dernière fois. Merci, Président. Tout d'abord, Président, j'ai une très bonne relation de travail avec les maires à travers la province. Je travaille avec eux. Je vais à leurs réunions, je les écoute, leurs soucis. Et je crois que le palier municipal est très important pour le bien-être de toute la province. Et je me réunis avec le maire Tory souvent. Alors, permettez-moi de vous parler de comment nous avons soutenu Toronto, Président. Vous savez, il n'y a aucun gouvernement de l'histoire de cette province qui investit plus dans le logement dans la ville de Toronto. Alors, tout d'abord, je note que nous avons alloué 30 milliards de plus pour l'infrastructure dans la province et il y a une forte partie, qui va aller à Toronto pendant les 10 années à venir pour les projets futurs. Et je vais en parler plus dans ma réponse supplémentaire. Question complémentaire. Président, pour revenir à la première ministre, ce qui est arrivé il y a 10 ans, ça n'aide pas l'avenir. Alors, ce n'aide pas avec les besoins d'infrastructure de Toronto. Un exemple grave cité par le maire Tory, ce sont les gens qui habitent les logements sociaux à Toronto, qui, lorsqu'ils sont trouvés coupables d'un crime, envoyés en prison, ils peuvent avoir une priorité sur la liste d'attente. Il y a 180 000 personnes qui attendent et un criminel condamné peut avoir une priorité par rapport aux autres. C'est scandaleux. Et je ne comprends pas comment ce gouvernement peut continuer de soutenir cela, de permettre à des criminels violents, des dealers, d'avoir la priorité pour un logement social par rapport aux personnes vulnérables. Le maire Tory a fait une demande à la province. Est-ce que vous allez mettre fin à cette pratique? Est-ce que vous allez permettre à la province de se garantir que les criminels condamnés n'ont pas la priorité pour les logements sociaux?
Ministre du Logement. Merci, Président. Merci pour cette question intéressante, parce que, en fait, ce n'est pas vrai. Et je suis vraiment déçu que le chef de l'opposition ne vérifie pas les faits avant de poser des questions publiques pour répondre à des mensonges. Voici comment ça fonctionne. Je vais demander au ministre d'éviter ce type de langage. Président, la seule loi, le seul règlement appliqué par la province, c'est que les victimes de la violence familiale ont la priorité, pas ce que vient de dire le leader de l'opposition. C'est absolument faux. Asseyez-vous. Dernier complémentaire. Président, encore une fois pour la Première ministre, le gouvernement libéral semble ignorer le fait que tout le conseil municipal et le maire John Tory ont demandé cela. Et la loi provinciale doit être modifiée en ce moment à cause du langage désavantagé. Vous pouvez permettre à des criminels, dealers, personnes coupables de délits violent peut avoir les priorités. Tout le conseil municipal a voté pour cette demande. Il est difficile lorsque moi j'essaie de les faire taire et puis vous interrompez. Continuez. Président, ils ne veulent pas répondre concernant les criminels qui ont la priorité. Il y a autre chose. Il y a l'achat du gaz naturel. À cause du système, ils paient plus de 6 millions de dollars de plus. Le maire Tory a des questions légitimes. Est-ce que la province va agir? Ministre du Logement. Merci, Président. Et vous savez, je croyais avoir donné une réponse claire. Et je vais répéter cette réponse. La province de l'Ontario, la seule priorité pour les logements sociaux, c'est pour les personnes qui fuient la violence familiale. Vous savez, je peux dire que l'Ontario a un engagement de longue date pour éliminer les personnes, le manque de logement pour les sans-abri. Et je répète, le seul règlement que nous avons, c'est que les personnes qui sont victimes de violences familiales ont la priorité. Alors, Président, concernant le gaz naturel, merci. Question complémentaire, chef du troisième parti. Dans la réponse politique à cette question concernant les médicaments, elle a oublié 10 millions d'Ontariens. Pourquoi? Premier ministre, eh bien, premier sénateur, ce que fait le régime d'assurance santé plus, et je suis heureuse que la chef de l'opposition et son groupe soient d'accord avec nous concernant le besoin de soutien pour les médicaments. Plus il y a du soutien pour cela à travers le pays, travaillant avec notre ministre de la Santé qui consulte ses collègues à travers le pays, plus il y a des gens qui soutiennent cette possibilité, mieux c'est. Alors nous avons décidé plutôt de couvrir 125 médicaments, nous couvrons maintenant 4400 médicaments, y compris des médicaments pour le cancer, pour les maladies rares également, pour tous les enfants, tous les jeunes, jusqu'à 24 ans. Et ça va faire une énorme différence pour les enfants.
Complémentaire. Une personne sur trois dans cette province n'a pas de couverture médicaments au travail. La situation s'aggrave et ne s'améliore pas. L'Ontario a besoin d'un plan universel pour les médicaments qui va garantir à ces personnes de pouvoir acheter les médicaments dont ils ont besoin. Et pourtant, dans la question, dans la réponse politique de la première ministre, elle a choisi de les oublier, de les ignorer. D'après la réponse de la première ministre, les gens vont continuer d'utiliser leur carte de crédit, de partager leurs factures ou se passer des médicaments dont ils ont besoin. Pourquoi? Ministre de la Santé. Président, je comprends la frustration de la part du troisième parti, mais cela m'étonne que je ne trouve pas d'autres troisième parti ou d'intervenants, de défenseurs des patients qui partagent leur point de vue, parce que ce programme pour les médicaments a été reçu avec enthousiasme à travers le pays. Même ceux qui ont aidé le NPD à créer leurs propositions concernant les médicaments, eux-mêmes, eux, ils soutiennent. Ministre. Alors, Steve Morgan, l'un des experts nationaux consulté par le NPD. Il a été juste à côté de la chef du troisième parti. Lui, il a dit bravo. C'est la première fois qu'il y a un plan pour les jeunes, pour les enfants. Cela a une importance critique, complémentaire finale. Bon, je vais donner un peu plus de temps au ministre de la Santé pour lire notre plan. Il se trompe, il n'a pas compris, mais bon, ça va. Il préfère être politique plutôt que d'être franc concernant notre plan. Mais ministre du Tourisme. Permettez-moi de dire que je suis d'accord que les jeunes ont besoin pouvoir acheter leurs médicaments, mais les parents également. Je crois que les parents également ont besoin de pouvoir payer leurs médicaments. Et lorsque le Premier ministre dit aux gens « Travaillez fort, mais vous n'avez pas de prestations au travail », pourquoi est-ce que ces gens doivent continuer de vider leurs poches, utiliser leur carte de crédit pour payer les médicaments dont ils ont besoin, ou pire, se passer de ces médicaments, tout comme ils font maintenant? Ministre, Président, j'espère que nous pourrons tous célébrer cette proposition qui se trouve dans le budget. C'est la plus importante transformation des soins médicaux dans cette province depuis le début du régime d'assurance santé. C'est un énorme saut en avant vers des provisions pour les médicaments pour tous les Ontariens. Cela renforce la relation sur laquelle travaille le Premier ministre depuis des années. Et depuis, à partir du 1er janvier, des 4 millions d'enfants avec leurs parents vont pouvoir aller acheter des médicaments gratis. 4 400 médicaments autorisés, y compris pour le cancer, pour les maladies rares, sans payer quoi que ce soit. Président, j'espère que un parti progressiste comme le NPD soutiendra cette transformation visionnaire du régime d'assurance santé. Question complémentaire. Question pour la Première ministre. Presque un quart des Canadiens entre les âges de 30 et 60 souffrent de tensions sanguines élevées. 30 à 40, c'est les personnes qui vivent avec le sida. Le plan proposé ne va pas répondre aux besoins des gens qui commencent, qui ont plus de 40 ans. Les soins pharmaceutiques universels permettraient à toutes ces personnes d'acheter leurs médicaments. En fait, cela couvrirait tous les Ontariens, parce que c'est cela qu'il nous faut. Pourquoi est-ce que le Premier ministre a décidé d'ignorer toutes ces personnes dans son plan? Merci, Président. Le leader du troisième parti et moi, nous avons une approche différente. Ce que nous avons fait, nous avons dit que pour les jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans, nous couvrons tous les médicaments dont ils pourraient avoir besoin. 4 400 médicaments
Le leader, le chef de du troisième parti a choisi de faire une proposition qui aurait été beaucoup plus étroite. Nous pourrons essayer de nous disputer concernant quel plan est le meilleur, mais le fait est que nous savons toutes les deux qu'un plan national pour les médicaments, pour tous les Canadiens, c'est de cela que nous avons besoin dans ce pays. Faute de ce type de plan, nous avons fait un énorme saut en avant pour que toutes les personnes jusqu'à 24 ans puissent faire payer leurs médicaments. 4 400 médicaments à partir du 1er janvier 2018. Complémentaire, Président. Ce que le Premier ministre refuse de reconnaître et les ministres refusent de reconnaître, c'est que la forte majorité de ces 4 400 médicaments ne vont jamais être utilisés par la forte majorité des jeunes dans la province de l'Ontario. Mais un plan vraiment universel pour les médicaments, alors, s'il vous plaît. Député de Glen Lawrence, la deuxième fois. Député de Hamilton East Stoney Creek. Merci, Président. Un plan vraiment universel pourrait arriver des épargnants jusqu'à 1,9 milliard de dollars tout de suite. Ce sont des économies réelles soutenues par des experts indépendants. Pour soi, le Premier ministre a choisi une réponse pour les médicaments qui minimise les avantages pour l'économie de l'Ontario. Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Président, je dois reconnaître que je suis profondément déçu par la position du NPD. Il ne devrait pas s'agir de quel est le programme qui va être plus bénéfique. Il s'agit plutôt de cette annonce importante de la semaine dernière, la plus importante transformation des soins médicaux de l'histoire de cette province. Président, moi, je cite l'exemple d'une femme qui a une fille adolescente qui souffre d'un cancer. Et à partir du moment où ce programme va entrer en vigueur jusqu'au moment de devenir adulte pour voir une vie prospère, elle va pouvoir économiser 20 000 $ grâce à ce plan. Et ces 20 000 $ représentent la formation universitaire de sa fille. Complémentaire, Président, je suis profondément déçu que 10 millions d'Ontariens n'auront pas de prestations pour les médicaments. C'est cela qui me déçoit. Parce que les médicaments sur ordonnance sont inabordables pour des millions d'Ontariens. Nous nous rappelons que ces Ontariens ne sont pas la priorité pour le Premier ministre. Alors que je sois clair pour tous les Ontariens, je ne suis pas d'accord et je m'engage, moi, à proposer un plan universel, intégral, pour les médicaments pour tous les gens de l'Ontario, de 1 an à 95, pour couvrir tous les Ontariens dès le début. Est-ce que le Premier ministre veut se joindre à moi pour soutenir un tel plan pour tous les Ontariens, comme les Ontariens ont le droit de souhaiter? Ministre. Président, notre Premier ministre défend l'idée d'un plan national pour les médicaments depuis des années. Et récemment, le chef du troisième parti s'est joint à ces efforts. Naz Persaud de l'hôpital St. Michael's, un leader pour les soins médicaux, sur les soins pharmaceutiques, il a dit que cette annonce est potentiellement
historique. Ça montre que le gouvernement agit pour aider les millions de personnes qui ne peuvent pas payer leurs médicaments. Et Daniel Martin, encore un leader pour le secteur pharmaceutique, dit que ce sont des gens réels qui vont être aidés par ces mesures. Peut-être que le chef de l'opposition du troisième parti croit que les jeunes, les enfants n'ont pas besoin d'aide. Et puis, la Coalition pour la santé publique dit que c'est une annonce merveilleuse qui va donner l'exemple au niveau national. Asseyez-vous. Merci. Nouvelle question. Député de Nipissing. Merci. Ma question pour la Première ministre. Home Capital est l'un des prêteurs hypothécaires les plus importants, non bancaires. Il y a enquête en ce moment de la part de la Commission des valeurs immobilières de l'Ontario. Ils ont trouvé des milliards de dollars avec leur compte d'épargne, mais leurs actions sont en baisse forte. Ils ont reçu 2 milliards de dollars du plan de retraite de l'Ontario. Puisqu'il y a un des acteurs qui est sous examen réglementaire et l'autre gère les fonds des pensions des travailleurs de la santé de l'Ontario, je demande à la Première ministre si le gouvernement était au courant de cet arrangement et si oui, quand? Premier ministre, ministre des Finances. Merci, Président. Notre première priorité est toujours les consommateurs et la protection des consommateurs. La Commission des valeurs immobilières de l'Ontario est en train d'étudier les circonstances concernant Home Capital. Nous savons que cela est sous étude. Nous avons également notre système de réglementation qui étudie l'aspect hypothèque et puis il y a également l'aspect investissement. Nous avons commencé un examen il y a un an et demi pour renforcer la protection des consommateurs, pour qu'il y ait pleine divulgation pour les investisseurs, pour qu'ils puissent comprendre leurs investissements. Mais évidemment, il y a en ce moment un examen en cours. Le président de Home Capital, c'est Kevin Smith, il gagne 377 000 $ par année et il a aussi millions de dollars en action. Et ça, c'est seulement son emprunteur partiel, parce que la première ministre le connaît comme étant Kevin Smith, et le PDG du Centre de santé Saint-Joseph, son autre emprunteur partiel, où il reçoit 720 000 $ par année. Et aussi, il était membre du conseil d'administration de Hoop. Alors maintenant, le PDG de Hoop, c'était Jim Cohen, et qui également siège au conseil d'administration de Home Capital. Alors, Monsieur le Président, on ne peut pas décrire les joueurs sans le programme. Alors, les conflits sont en tout de la description. Alors, donc, après, ministre, alors. J'ai demandé à la première ministre, est-ce que donc l'exécutif d'un prêteur est-ce que devrait aussi prendre la décision d'un emprunteur? Ministre des Finances, merci, M. le Président. Alors, à titre de député, donc peut-être le député veut comprendre que Home Capital Group est à la charte fédérale et donc réglementée par les institutions financières fédérales, fiscaux, et ça, donc, et c'est le donc du surintendant des institutions financières et est en train de surveiller la situation également de très étroitement. Et nous surveillons aussi la disponibilité des hypothèques sur le marché, aussi la transparence et la supervision, la protection du consommateur. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative que nous avons prise pour renforcer les réglementations fiscales et aussi pour faire passer davantage à l'OSC pour nous assurer que les consommateurs sont protégés et qu'il y a des obligations complètes. Et nous essayons de protéger les intérêts du consommateur, Monsieur le Président. Chef du troisième parti. Alors, Monsieur le Président, question pour la Première ministre. Alors, Toronto a mis en place des priorités pour le budget ontarien. Les gens qui habitent dans la société de logement de Toronto, on demande aussi que la province se joigne à la ville pour aider. Et aussi, on parle de TTC aussi pour améliorer les conditions des transports. Et le maire a demandé l'aide de la province. Alors, je comprends ce dont le maire parle. Et lorsque nous sommes rencontrés, j'étais très clair. Député donc du NPD sera là
candidat pour Toronto. La première ministre ignore les Torontois et les Torontoises dans son ordre de budget. Et la présidente, la première ministre a dit que le gouvernement ontarien n'aide pas pour faire réparer vos logements. Et pourquoi est-ce que la première ministre ne veut pas faire ce qu'il faut faire pour réparer les appartements à Toronto et dans les communautés à travers la province? Alors, Monsieur le Président, alors, laissez-moi dire ceci. Donc, encore une fois, que nous sommes en train de faire des milliards de dollars d'investissement à Toronto et nous avons aussi ajouté des millions de dollars pour les municipalités, notamment à Toronto. Et, mais je vais parler spécifiquement du logement parce que je suis préoccupé par le logement social à travers la province. Je suis inquiète du logement social dans la ville de Toronto et à titre de député de Toronto, je sais que la communauté, la société de logement à laquelle il fait face. Mais pour Toronto, enfin, ce que fait le budget, c'est d'offrir 130 millions de dollars pour le logement social, pour les réparations, 340 millions de dollars pour la prévention des sans-abri et aussi 130 millions de dollars pour le logement abordable. Et également, donc, aussi, à la demande spécifique du maire, c'est nous avons aussi, donc, que nous avons ajouté 300 millions de dollars pour accroître le nombre d'unités de logement abordable. Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le Président. Donc, le maire a dit au Toronto qu'on n'avait vraiment pas reçu grand-chose pour les réparations de logements. Alors, le nombre d'appartements accessibles, c'est en chute. Est-ce que dont la population a besoin et le budget ne tient pas compte de cela? La première ministre a eu l'occasion de se tenir debout pour Toronto et pour les transports en commun. Au lieu de cela, on tourne le dos. Alors, on a parlé de l'importance de la province qui a pu 50 % du coût d'exploitation de TTS. Parce que la première ministre est en train de dire non à des améliorations immédiates pour le système de transport en commun de Toronto. Alors, donc, je reviendrai à la chef pour la dernière partie, mais le député de Eglinton Lawrence est averti. Poursuivez. Alors, pourquoi est-ce que la première ministre dit non à l'amélioration des systèmes de transport en commun de Toronto et d'à travers la province? Alors, Monsieur le Président, alors, donc, les chuchotements que vous avez entendus, ce sont des députés qui sont de l'extérieur de Toronto, qui ont beaucoup de financement à Hamilton, par exemple, et Kitchener-Waterloo et Ottawa. Et aussi, je vais parler de l'argent qui va être alloué à la ville de Toronto. 5,3 milliards pour la ligne Eglinton, 1,2 milliard pour les RT, 3,7 milliards pour Go et 887 millions pour la ligne Spadina, 1,4 milliard pour le métro de Scarborough. Et sur les futurs projets, je sais ce que le maire de ce dont il parle, 150 millions de dollars pour la planification et le design sur la ligne de soulagement du centre-ville. Alors, donc, une ligne où il n'y a pas d'engagement de la ville en ce moment. Et, Monsieur le Président, et aussi 55 millions pour le même travail sur la ligne Nord-Yonge. Alors, aucun gouvernement n'a investi autant d'argent dans le transport en commun de Toronto que nous l'avons fait, Monsieur le Président. Alors, veuillez poursuivre et vous asseoir. Député de Etobicoke-Nord. Alors, merci, Monsieur le Président. Et au nom de mes commettants de Etobicoke-Nord, Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances, Charles Souza. Alors, Monsieur le Président, je peux vous dire que tous mes collègues de ce côté de la Chambre sont très fiers de la première ministre Wynne et du ministre des Finances Souza pour le budget 2017-2018. En fait, la croissance a dépassé celle du Canada et tous les G7 au cours des trois dernières années sur le terrain. Ça veut dire, Monsieur le Président, que la plus grande prolongement de soins de la santé, de l'assurance maladie, 400 millions de dollars pour l'hôpital de Tobago, 700 000 nouveaux emplois depuis la récession et le taux de chômage est en deçà de la moyenne depuis deux ans. Alors, Monsieur le Président, lorsque la récession nous a touchés, nous avons fait des choix délibérés pour investir en Ontario et des choses qui sont importantes pour les Ontariens. Alors, Monsieur le Président, donc, veuillez nous donner plus de détails sur ce que l'on fait pour 2017-2018. Le budget d'Ontario. Alors, merci, Monsieur le Président. Je me remercie le député de Etobicoke-Nord pour l'invitation et aussi de son intervention là-dessus. Je suis content de confirmer que le budget de 2017 est un budget équilibré et c'est le premier
mais la récession mondiale. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais aussi ajouter que non seulement avons-nous équilibré cette année, mais on va le faire encore l'an prochain et l'année suivante. Alors, un budget équilibré, ça veut dire que le gouvernement ne sera pas en train d'emprunter pour payer les prêts d'exploitation parce que tout va maintenant directement pour investir dans les capitaux. Alors, son jeu à long terme, ça veut dire plus d'argent pour les choses qui sont importantes pour les gens d'autres, comme par exemple les ordonnances gratuites pour les enfants de moins de 24 ans ou la scolarité gratuite. Lorsque la récession est arrivée, on a établi une approche réaliste pour en revenir à un budget équilibré. Et la semaine dernière, nous avons livré la marchandise sur cet engagement. Monsieur le Président, donc les nouvelles écoles, les nouveaux hôpitaux, la scolarité gratuite pour les Ontariens à revenus moyens, alors plus de garderies, alors aussi 8 arrêts dans le LRT de Finch, au nom des gens de Etobicoke-Nord. Alors, nous sommes vraiment très heureux, nous vous remercions. Et les familles vont bénéficier de ces importants investissements. Monsieur le Président, nous sommes déjà en train de faire le plus grand investissement d'infrastructure dans l'histoire de la province. Et Toronto est en train de recevoir une part du lion de cet appui, non seulement pour les articles que j'ai énumérés, mais aussi pour le logement abordable ainsi que les transports en commun. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances peut faire des commentaires sur la façon dont on continue à bâtir la ville de Toronto? Alors, encore une fois, donc, je remercie le député de Etobicoke-Nord pour ses questions et aussi de ses talents oratoires. Alors, donc, il est important de se rappeler qu'aucun gouvernement de l'Ontario n'a investi autant dans la ville de Toronto. Alors, nous avons cru les investissements et Toronto va causer 530 millions de dollars seulement. Et donc, depuis 2003, nous avons construit 10 millions de dollars dans les projets de transport en commun comme la ligne LRT et aussi la ligne de soulagement. Alors, cette année, le budget est de 130 millions pour la réparation de logements abordables, 340 millions pour la prévention et 130 millions pour le logement abordable. On utilise le terrain provincial jusqu'à 100 millions aussi pour bâtir 2000 nouvelles unités de logements abordables dans la ville. La ville nous a demandé pour de nouveaux outils de revenus et nous avons répondu notre budget équilibré va donner à la ville la capacité de prendre des taxes, déposer des taxes sur les maisons vides. Alors, donc, personne d'autre va doubler aussi la part de la ville pour les revenus de la gasoline, de l'essence. Alors, question pour Romain Sex. Alors, Monsieur le Président, les jeunes ont des problèmes de santé mentale parce qu'ils ne peuvent pas tenir le traitement dont ils ont besoin, là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. Alors, il y a de nouvelles données ce matin qui indiquent que les enfants et les jeunes et les familles font face à une crise de santé mentale et se retrouvent dans les urgences à des taux incroyables. Depuis 2006, il y a 63 % de croissance de visites en salle d'urgence et au niveau de l'hospitalisation pour les jeunes qui recherchent de l'aide pour les problèmes de dépendance. Alors, donc, nous sommes en 2015 et le gouvernement ne répond pas à la demande. Est-ce que le ministre de la Jeunesse et des Services à la petite enfance a prévu un budget pour traiter de ce problème pour la santé mentale? Service à la jeunesse et service à la petite enfance. Monsieur le Président, je veux remercier le député pour ses questions. Aussi, je veux saluer tous les intervenants, les membres de famille et aussi le personnel qui travaille à travers la province pour s'assurer que nos enfants sont positionnés pour le succès dans la province de l'Ontario. Et Monsieur le Président, lorsque je suis devenu premier ministre pour déléguer à la jeunesse. Alors, on m'a demandé de travailler avec les élèves pour transformer le système de la santé mentale pour les enfants de la province. Nous avons reconnu sans question qu'on doit faire plus de travail pour améliorer les services que reçoivent les jeunes gens. Nous faisons face à des défis au niveau des attentes, aussi au niveau de la prestation des services. Nous faisons des problèmes au niveau du modèle de financement. Et les agences nous ont dit aussi, les vérificatrices générales nous l'a dit et nous avons accepté ceci. Alors voilà pourquoi donc nous saisissons l'occasion, Monsieur le Président, pour donner aux Ontariens et pour aujourd'hui les investissements nécessaires.
Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, donc ça veut dire que je n'ai pas demandé à la Première ministre pour recevoir des finances. Les données parlent de l'érosion dans les services communautaires. Ça amène les jeunes gens pour. Ça les empêche d'obtenir l'aide voulue. Mais aussi, ça fait de la surcharge pour les hôpitaux et on met en danger les vies et ça coûte au système 175 millions par année. Les santé à l'enfance estiment que 180 millions de dollars sont nécessaires. Ça pourrait causer beaucoup d'argent pour si les services étaient offerts dont ils ont besoin. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances peut expliquer pourquoi aucun des transferts d'argent pour les initiatives de santé mentale n'a été alloué au service de mental à l'enfance? Alors, ministre de la Santé, ministre de la Santé et des soins de longue durée. L'importance de cette question, c'est en partie c'est la raison pour laquelle nous avons annoncé 50 millions de dollars vers les services de santé mentale, notamment l'accès aux thérapies, à l'appui du logement aussi. Lorsque nous avons annoncé à Barrie aussi 10 lits supplémentaires pour les enfants, pour la santé mentale, ainsi aussi que des services de clinique du jour. Alors voilà pourquoi c'est si important. Nous savons que 70% des maladies mentales surgissent pendant l'enfance et pour la première fois dans la province, ces enfants et ces jeunes auront accès libre aux médicaments dont ils ont besoin pour traiter de leur maladie mentale. OK. Donc, question de député de Témiscamingue-Cochrane. Question à la Première ministre. Les hôpitaux de l'Ontario sont près de la faillite et le gouvernement ne va pas régler le problème. Alors, les frais d'exploitation pour les hôpitaux, c'est 300 millions de dollars qui manquent pour ce qu'ils disent que les hôpitaux, enfin, ce qu'ils disent dont ils ont besoin. Ça veut dire que les hôpitaux vont être obligés de souffrir et aussi les patients vont être traités dans les corridors et aussi les soins vont être obligés d'être coupés. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement continue de refuser de réparer les dégâts qu'ils ont causés dans nos hôpitaux? Merci, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Alors, donc, un milliard. Donc, nous avons investi un milliard dans les hôpitaux de l'Ontario. Alors, et au cours de la dernière semaine, dans notre budget, nous avons annoncé presque 500 millions de dollars, ou 3,1% de hausse d'augmentation pour l'exploitation. Tout à travers la province. Et cela veut dire que tous les hôpitaux de l'Ontario vont recevoir une augmentation minimale de au moins 2%. Nous avons réservé ces suppléments spécifiquement de façon à ce que l'on puisse répondre, relever les défis auxquels font face les hôpitaux à travers la province, que ce soit dans les salles d'urgence ou capacité de lit au niveau de population, de croissance démographique dans la région. Et, Monsieur le Président, je demanderai que le député de l'autre côté pourrait devrait peut-être parler à l'association des hôpitaux, l'OHR, concernant leur réponse à ce qui est mentionné dans le budget, Monsieur le Président. Complémentaire. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, donc pour revenir au Premier ministre, les budgets des hôpitaux ont été gelés depuis de nombreuses années et à une hausse de 2 % essentiellement. Donc, c'est l'inflation. Alors, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, étant donné les coûts d'inflation, donner le taux d'inflation à un budget, c'est pas vraiment un gros cadeau. Alors, les gens qui sont dans les corridors et puis les chirurgies qui sont annulées, ça ne va pas être rectifié par simplement à me suivre l'indexation à l'inflation. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas accepter de reconnaître qu'il y a un problème ici. Alors, Monsieur le Président, alors Anthony Dale, le président et PDG de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, dit ceci du budget. Le gouvernement a fait son investissement très important dans les hôpitaux parce qu'on a ajouté des 9 millions ou 11 millions qui sont déjà là pour un total de 20 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Ça va aider à un système durable pour l'avenir. Concernant l'exploitation, alors aujourd'hui, les investissements dans le secteur des soins de santé, c'est une reconnaissance des défis de capacité auxquels font face les hôpitaux. Aussi, ça signale un engagement renouvelé pour accroître et améliorer l'accès aux soins de santé à travers la continuité. Monsieur le Président, aujourd'hui, le budget, cette annonce, il poursuit que c'est un investissement dans les soins du patient et ça va aider à maintenir la stabilité du système et renforcer l'accès aux services de première ligne. 3,1% à un demi-milliard de suppléments. Alors, c'est 1 milliard de dollars en 2 ans pour nos hôpitaux, Monsieur le Président.
À la question pour le député de Davenport. Alors, merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Soins de la Santé et des Soins de longue durée. La semaine dernière, on a introduit un budget qui contient des améliorations au budget de la santé. Enfin, cela inclut 7 milliards de dollars supplémentaires pour le secteur des soins de la santé au cours des trois prochaines années. Alors, donc, réduire les temps d'attente, offrir l'accès aux soins et aussi améliorer l'expérience du patient. Mais encore le plus important, Monsieur le Président, c'est que ce budget inclut du financement pour les soins de santé prioritaires qui vont avoir un impact réel pour les familles ontariennes. Monsieur le Président, ce budget investit dans les hôpitaux, dans les soins à long terme, dans la santé mentale et aussi dans nos professionnels de classe mondiale. Alors, Monsieur le Président, il y a une pièce de ce budget qui ressort pour le député de Davenport plus que toute autre chose. Les jeunes et les parents sont vraiment très enthousiastes avec ce nouveau programme de santé plus. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cet investissement historique du gouvernement dans les enfants et la jeunesse de l'Ontario? Monsieur le Président, alors vraiment, c'est vraiment historique et c'est la façon dont cela a été décrit à travers le pays, Monsieur le Président. Alors, l'assurance médicaments est vraiment si essentielle que pour accéder aux médicaments. Et le 1er janvier, pas vraiment trop loin dans l'avenir, peut-être. Alors, le 1er janvier de 2018, 4 millions d'Ontariens, notamment les membres, les députés de Niagara-West-Cranbrook, 4 millions d'enfants et de jeunes en deçà de 25 ans vont pouvoir aller dans les pharmacies avec leurs parents, s'ils n'ont pas l'âge, et pour l'ordonnance, et faire remplir cette ordonnance et recevoir des médicaments, pas de paiement, pas de déduction. Alors, un accès donc à plus de 4 000 médicaments. Alors, des médicaments pour le cancer, des médicaments pour des maladies rares. Et vraiment, c'est un moment historique dans l'histoire de l'Ontario, Monsieur le Président, et bien sûr au Canada dans l'histoire de l'Ontario. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Et merci, ministre, à la Première ministre, pour l'heure du travail et leur dévouement pour s'assurer l'accès aux médicaments d'ordonnance à leurs enfants et les jeunes de l'Ontario. Je suis une mère de deux enfants et je sais quelle est l'importance de cette loi. Et alors, ce nouveau programme va faire une grande différence pour ces familles qui luttent contre la pauvreté et l'inégalité sociale. Alors, ça va donner à ces familles et aux enfants de Davenport et à travers toute la province, Monsieur le Président, une meilleure occasion de grandir en bonne santé et une occasion d'avoir un meilleur avenir encore plus important. Ça va avoir un impact sur les enfants et les jeunes de tout l'Ontario, peu importe les circonstances, peu importe le statut socio-économique de l'enfant ou de leurs parents. Alors, tous les Ontariens et Ontariennes de moins de 24 ans vont bénéficier également de ce programme. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut partager les détails de l'impact sur les familles ontariennes? Monsieur le ministre, alors, Monsieur le Président, alors donc c'est vraiment une avance tellement importante aux soins de la santé dans la province. C'est la plus grande transformation, je devrais dire, dans l'histoire de 51 ans de soins de la santé en Ontario. Alors, donc, cela offre un leadership national à la Première ministre en prenant cette décision-là et aussi en montrant faisant preuve d'un tel courage et de faire cette déclaration auprès du reste du pays, Monsieur le Président. Ceci peut être accompli. Ceci doit être accompli, Monsieur le Président. L'accès aux médicaments, c'est quelque chose de très fondamental. Je suis vraiment très fier dans un cabinet, parti d'un caucus, avec le Premier ministre qui a une telle vision et un courage. Et c'est cet aspect visionnaire des soins de santé. Et nous allons livrer à compter du 1er janvier pour 4 millions d'enfants et de jeunes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai une question pour le Premier ministre. Est-ce qu'elle peut expliquer pourquoi elle va parler de photoradar encore une fois dans la province de l'Ontario? Merci. Le député d'en face sait qu'avec le projet de loi 65, nous allons avancer les choses pour aider les plus vulnérables des utilisateurs de nos routes, car dans les zones scolaires et dans les zones sécuritaires et seulement dans les municipalités qui voudraient en profiter grâce à ce projet de loi. Question supplémentaire.
Si seulement si les libéraux voulaient protéger les gens en vertu de ce projet de loi. Évidemment, on est pour la sécurité des étudiants, mais on sait bien que le problème, c'est toujours le détail de la chose. Ils ont en fait choisi quelque chose de pas très correct. Ça pourrait être n'importe sur n'importe quelle chaussée municipale, etc. Le photoradar, s'il vous plaît, rappel à l'ordre. Partout dans la province, elle nous ramène à l'avenir en le réinstallant dans les chaussées de l'Ontario. Alors, cette loi sur le photoradar, donc, existe. Est-ce qu'elle va remettre l'accent sur la sécurité scolaire et au lieu de l'étendre à toutes les routes à travers l'Ontario? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que la question qu'il fallait poser, c'est pourquoi son parti, son chef, ont-ils présenté 214 modifications qui aideront à empêcher les municipalités à avoir suffisamment de pouvoir pour se protéger elles-mêmes. Dans tous les débats sur ce projet de loi 65, lui et le député de Nipissing et les autres ont tous dit, d'une part, qu'ils veulent protéger les utilisateurs de nos chaussées les plus vulnérables, tous les piétons, tous les élèves qui se rendent à l'école, etc. Pourtant, quand ils avaient l'occasion de travailler de façon constructive avec nous sur le projet de loi 65, ils ont inventé plus de 200 modifications. Alors, la question en fait est pourquoi ne veulent-ils pas nous aider à protéger les Ontariens? Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Député de Kitchener-Conestoga, s'il vous plaît. Alors, le député de Nickelback. Thank you. This is for. Ontario hospitals are being hollowed out. Les hôpitaux de l'Ontario sont épuisés à cause des grandes coupures des libéraux. Ils ne font rien pour remédier à cela. Alors, on a dit, et je cite. Alors, pour les hôpitaux de l'Ontario, et les gens devront attendre dans les couloirs des hôpitaux. Pourquoi est-ce que vous ignorez ces problèmes dans nos hôpitaux? Pourquoi est-ce que vous tournez le dos aux bons soins à fournir aux patients? En fait, on fait le contraire, Monsieur le Président. On fait le contraire de ce qu'ont fait les NPD quand ils ont fermé 24 des lits pour soins aigus dans la province et 13 % des lits pour la santé mentale. Nous avons ajouté 9 milliards de dollars aux 11 milliards qui y sont déjà. 20 milliards de dollars nouveaux pour les améliorations au capital, pour le redéveloppement des hôpitaux dans la province. Y compris l'hôpital de Windsor et ailleurs, Monsieur le Président. Mais du côté opérationnel, plus d'un demi-milliard de dollars en plus des demi-milliards de dollars qu'on y consacrait l'année dernière. C'est une augmentation de 31 %. Ça veut dire que chaque hôpital dans toute la province va en bénéficier de façon importante. Alors, on continue à faire ces placements pour être certain de fournir ces soins de qualité. Merci. L'ancien budget n'était pas bon pour le système de soins médicaux et pour les hôpitaux. Et alors que la crise se poursuit, ce sont les patients qui doivent attendre des jours entiers pour recevoir aujourd'hui dans les hôpitaux. Il y a 1100 de ces lits non financés. Plus de 250 se trouvent dans des couloirs ou dans des salles d'emmagasinage. C'était jamais conçu pour cela. Les temps d'attente dans ces salles sont plus prolongés que jamais. Comment se fait-il que la Première ministre refuse d'arrêter les coupures envers nos hôpitaux?
Monsieur le Président, alors voilà ce que le NPD ne semble pas aimer à propos de nos budgets. J'ai parlé des 9 milliards de dollars en investissement en capitaux. Monsieur le Président, ils n'aiment pas le fait qu'on investit 11 milliards de dollars de plus et 500 millions pour appuyer nos hôpitaux, pour réduire les temps d'attente et pour élargir la capacité. Ça ne leur plaît pas de savoir qu'on investit 140 millions de dollars pour améliorer les soins pour malades mentaux ou plus de cela pour appuyer notre stratégie contre la démence. Ils n'aiment pas le fait qu'on ajoute 100 millions de dollars pour améliorer l'expansion des équipes interprofessionnelles, ni 80 millions de dollars pour les soins de longue durée non plus. J'ai une question pour le ministre du Travail. Aujourd'hui, le 1er mai, nous reconnaissons le début de cette semaine annuelle pour protéger la santé mentale qui leur permet de s'engager avec autrui sur toutes les questions qui se rapportent à la santé mentale. Souvent, les gens pensent que cette initiative ne parle que de blessures physiques, mais de plus en plus, mes commettants me parlent de l'importance de la santé mentale. Les Ontariens veulent savoir la santé mentale sera prise au sérieux dans leur lieu de travail. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous dire que fait le gouvernement pour promouvoir la santé mentale au lieu de travail? Merci de cette très bonne question. Cette semaine, nous allons reconnaître cela en vertu de cette semaine. La santé mentale nous touche tous chez nous, au travail également. Et aujourd'hui, au Canada, au moment où je vous parle, un demi-million de Canadiens ne peuvent se rendre au travail aujourd'hui à cause de problèmes de santé mentale. Et les employeurs intelligents savent qu'il faut qu'ils s'occupent de cela. Ça va les amener à la réussite. Alors, il y a deux nouvelles initiatives de notre part qui, cette semaine, vont promouvoir cette santé au lieu du travail. Alors, tout organisme peut s'en prévaloir en Ontario. Nous lançons un nouveau portail tout à l'heure, un guichet unique avec des ressources en vertu de la santé mentale pour tous les travailleurs. On investit là-dedans car c'est ça qu'il faut faire. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Notre gouvernement est très engagé, en effet, à promouvoir la santé mentale en lieu de travail. Nous avons fait beaucoup de chemin dans ce sens. Tout le monde a son rôle à jouer. Nous avons fait beaucoup d'avancées pour ce qui est de la santé mentale au lieu de travail. Jeudi dernier, dans le budget, on a annoncé d'autres plans en ce sens. Est-ce que le ministre pourrait-il nous donner les détails sur les plans qui ont été dévoilés jeudi? Merci à la députée de cette très bonne question. Dans le budget proposé, on va s'assurer finalement que les travailleurs qui ont un stress mental chronique pourront toucher des prestations pour cela. Depuis longtemps, c'est une priorité pour le gouvernement, mais nous savons qu'il ne s'agit pas de blessures physiques. Il y a des blessures invisibles. Et les blessures invisibles sont tout aussi significatives. Le stress mental chronique, c'est une réalité pour bien trop d'employés dans la province. Ils méritent les prestations et le soutien qu'on fournit déjà aux travailleurs qui souffrent physiquement. Ça, c'est un peu de plus dans nos efforts de rendre l'Ontario le lieu le plus sûr sur le plan psychologique où travailler au monde. Nouvelle question des députés de Nevison-Redford-Combeau.
pour le ministre. Alors, le système a eu des inondations à un niveau inouï. Golden Lake et au long du fleuve se sont engagés dans une bataille qui dure depuis plusieurs semaines. Le montant des dommages est horrible. Le programme actuel permet l'indemnisation de certains pour leurs pertes, mais ça ne peut qu'être déclenché par le ministre lui-même et ses fonctionnaires. Je vais vous envoyer ici, vous remettre une photo pour que le ministre puisse voir par lui-même les dommages. Dommage. Je demanderai au ministre de faire appel à ses moyens de dépanner ces personnes. Merci au député de sa question et je vais commencer en disant que je suis parfaitement conscient de ce qui se passe au comté de Renfrew pendant le week-end. J'ai rejoint le maire Wisniewski, le maire Grunz de Bunville, Westwood et Lungen, et le maire d'Algona, le maire Wilberforce et le maire de Pembroke. J'ai rejoint au moins 5 d'entre eux. Je voulais discuter avec eux du fait que ces municipalités recevaient le nécessaire à le dire à leurs commettants, alors que tous doivent faire face à cela. Et je pense qu'ils reçoivent tout du bureau de Kingston et je pourrais vous fournir d'autres renseignements à propos du programme, mais si jamais vous en avez besoin, question complémentaire. Je reconnais qu'il existe une démarche et merci d'avoir rejoint les fonctionnaires locaux. Et vos fonctionnaires étaient chez nous hier, mais les gens ne peuvent attendre. Ils veulent savoir que le gouvernement sera là au besoin. Il a beaucoup plu aujourd'hui, hier, et ça va augmenter non seulement les pertes financières, mais aussi le niveau de frustration que ressentent les gens maintenant. Je crois fermement qu'une fois que le ministre aura l'occasion de revoir cela avec moi, il comprendra qu'il faudra déclencher le programme qui existe en cas de catastrophe. Je demande au ministre de reconnaître ceci comme une catastrophe aussi vite que possible. Est-ce qu'il pourrait s'y engager dès maintenant? Alors, je voudrais remercier d'abord le député au nom de ses commettants. Tel que ça va fonctionner, le programme, c'est que les gens sur place du ministère font l'évaluation. Ils ne peuvent le faire que jusqu'à ce que les eaux aient diminué pour qu'ils puissent déterminer la situation. Une fois qu'ils pourront le faire, ils me font une recommandation en tant que ministre et c'est à ce moment-là qu'on fait une recommandation concernant le déclenchement du programme. Malheureusement, jusqu'à ce que les eaux soient baissées, le personnel ne peut faire son travail. Évidemment, du côté privé, il y a peut-être de l'aide, mais là encore, ça demande du travail sur place. Il y a un autre aspect du programme qui traite avec l'infrastructure municipale. Mais le mieux que je puisse faire, c'est de lui dire très clairement qu'il faut que les eaux aient baissé avant qu'on ne puisse déclencher le programme et on le fera le plus vite possible. Merci. J'ai une question pour la première ministre. Monsieur Sillip est retraité, il vit dans la douleur et la souffrance. Il a besoin d'une opération. Il y a 15 mois qu'il a rencontré le chirurgien. Il ne sait même pas quand il y aura une consultation, mais en décembre 2016, il s'agit d'une attente de 413 jours d'attente. Il doit attendre pour savoir combien de temps il faudra attendre. Et la situation ne fait qu'empirer entre-temps. Il est bien qualifié pour cela, mais il a une mobilité réduite et ça touche à tous les aspects de sa vie. Il souffre de beaucoup de douleurs. Comment se fait-il que le gouvernement libéral, quoi qu'il ait, acceptable d'avoir 300 millions de dollars qui restent, que ce qu'il faut pour le dépanner, ce monsieur n'est apparemment pas là. Eh bien, Monsieur le Président, on contribue
plus de 500 millions de dollars à nos hôpitaux cette année. C'est une augmentation de 3,1%. Ça nous permet de cibler certains défis auxquels les gens sont confrontés. Ça permet davantage d'opérations contre les cataractes ou pour les genoux. Alors, j'encouragerai la députée d'en face de faire, s'il l'a déjà fait, c'est de rappeler à la personne que les listes d'attente varient. Ça dépend du chirurgien. Donc, le médecin de famille devrait être encouragé à voir quels sont les temps d'attente ou s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait y aller avec cette opération plus tôt. Car c'est pourquoi le LIN existe et j'ai fait mon possible pour les aider avec cela. Alors, à l'ordre, je voudrais souhaiter la bienvenue à Joanne Sharon de Vanier Children's Services. Merci. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Brian Hanson pour la semaine de la santé mentale des jeunes. Merci, bienvenue à Queen's Park. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à mon fils aîné, Dustin Ho, qui est dans la tribune. Puisqu'il n'y a pas de vote différé, il y aura une pause jusqu'à 13 heures cet après-midi.